Eh bien, bonjour! Bienvenue avec l'équipe Beauté en forme Beauty and Shape. Alors aujourd'hui, on vous présente notre belle Isabelle qui va nous faire un beau partage justement sur son évolution en phase de transformation. Isabelle qui était très réticente justement à l'entraînement. Je crois qu'on l'a contaminée légèrement. Alors bonjour Isabelle! Bonjour Josée! Bonjour Émile! Bonjour tout le monde! J'aimerais que tu nous partages justement, ça fait quand même plusieurs semaines que tu es en phase de transformation avec nous. Oui. Comment ça s'est déroulé, puis comment ça s'est justement conclu? Oui, bien moi, un de mes objectifs, c'était vraiment de pouvoir aimer bouger, parce que c'était vraiment ma faiblesse. Et bon, ça a commencé par les machines au départ et je détestais les machines, oui. Vraiment. Donc, j'aime beaucoup plus les machines. Je dirais pas que j'en raffole, pour être honnête. Mais ce que Émile et José m'ont appris, c'est vraiment à connaître les bienfaits de bouger. Donc, à partir du moment où j'arrête de l'entraînement, où maintenant je prends aussi des cours de danse, je combine plein de choses, mais il faut toujours que je bouge au moins 3 fois par semaine. Donc, c'était mon but et c'est ce que j'ai appris. Et aussi, bien naturellement, mes vêtements vont mieux. J'ai libéré quelques kilos et je suis beaucoup plus ferme, donc je me sens beaucoup plus sexy. Plus belle, plus en forme, j'ai beaucoup plus confiance en moi aussi. Et ce n'est pas fini, parce que ma fête, c'est le 31 mars. Et donc, mon objectif, c'est, je l'avais dit, de toute façon, c'est à vie, mais mon objectif, c'est qu'au 31 mars, en tout cas, il y aura plusieurs choses qui vont se passer en même temps. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais j'aimerais vraiment continuer pour qu'il y ait vraiment des résultats encore plus grands, encore plus frappants, physiques. Ouais! Ah, c'est le fun! Oui. Donc, je remercie beaucoup José et Émile. C'est vraiment grâce à vous maintenant que j'aime bouger. Donc, merci. C'est extrêmement important. C'est vraiment le volet qui me manquait pour être en parfaite santé. Et maintenant, je peux dire que je le suis. Félicitations! N'oubliez pas que vos habitudes vous démontrent. C'est ce qui est exactement votre corps, ce qui est exactement vous. Fait que prenez des bonnes habitudes, surtout dans le temps des fêtes. Si vous les prenez, gardez-les. Focus, détermination, discipline. Et plaisir. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Passez de très belles fêtes. Payez-vous un plein entraînement avec l'équipe Beauté en forme pour la nouvelle année. C'est vraiment extraordinaire. Bye bye. Bye bye. Joyeuses fêtes. Allô.